Est-ce que les gens ont réfléchi à qu'est-ce que c'est qui va arriver demain matin au Québec s'il n'y a plus de pétrole? Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Je pense qu'on regroupe des gens, disons, qui veulent faire des choses, qui veulent s'impliquer et qui veulent demeurer impliqués dans la société parce qu'on veut la modifier aussi, parce qu'on veut l'améliorer. Donc, on veut partager ça avec les autres. Il y a toujours des découvertes à faire. Moi, j'en fais toujours des expériences. Alors, tu veux essayer, Muriel? Ah oui, c'est bien. Notre projet est né avec cette idée-là de créer un laboratoire nordique. Si on pouvait réussir ici à trouver des solutions d'un monde qui n'est pas basé sur les ressources fossiles, mais basé sur les ressources renouvelables, on ferait la démonstration, en fait, que si ça marche ici, ça marchera partout, forcément.